Oh, ça change direct. Non, toujours des tubes. T'as un texto, notamment. Bon, je suis obligé d'attendre. C'est un peu dommage parce qu'il y a la pub, donc Ah, ça y est, j'ai le retour. Bon. Bonsoir à tous et à toutes, c'est GG, bienvenue sur ma petite séance. On se retrouve pour la suite des aventures de Kingdom Hearts Bassive avec le personnage Aqua. Précédemment, dans l'épisode précédent. Donc, dans l'épisode précédent, on avait fini l'histoire avec Vanitas. On avait combattu Vanitas et on avait créé ce qu'on appelle la Keyblade, X-Blade, je sais pas trop quoi. Puis il s'est passé un truc à la fin, on attendait. Donc, on a commencé comme on a commencé tout le jeu depuis le début avec l'épreuve de la symbole, enfin bref, tout le, l'épreuve pour devenir maître. Et là, on est dans le monde de Sandrion. J'ai du mal. Et on connaît bien la musique. Ta-na-na-na-na. Allez, c'est parti. Donc, on est au tout début d'aventure, hein. Je me rappelle, ça fait à peu près. Vu que ça fait déjà une heure quasiment que le live a commencé, ça doit faire à peu près entre 50 et 55 minutes de jeu pour l'instant. Ouais, vas-y, je tape à côté. Alors, recette, vas-y, ok. Cette musique va me faire ma soirée et je vais l'avoir dans tout le temps dans la tête. Alors. Ouais, mais est-ce que t'as... Non, t'as pas de soins. C'est ballot, de toute façon j'ai pas les sous. J'ai pas assez. Bon, allez. Ah bah oui. Obligé. You honor our humble home, my lord. Quite so. May I present my daughters, Grisella and Anastasia? As I feared, there is darkness here. Wait! It's dangerous to fight the darkness with light, my dear. Who are you? Cinderella's fairy godmother. I appear to those who believe that dreams come true. Then I'm honored. But why would you advise me not to fight darkness with light? Strong rays of sun create dark shadows. Sadly, Lady Tremaine and both her daughters are jealous of Cinderella's charm and beauty. Qualities that appear to you as light. Jealousy is darkness. Light and dark go hand in hand. You can't have one without the other. Then, what should I do? It's quite simple, dear. One of Cinderella's friends is trying very hard to keep her light from fading. I want you to join little Jacques and help him. I can do that. You'll need a bit of my magic to help, Jacques. Come back and see me when you're ready. Mais sûr, on va pas prendre trois plombes non plus, on va y aller direct. Voilà, donc je sais pas ce qu'il me faut en plus, mais on est prêt. Ah, je rentre ici, c'est ça, non? J'essaie de me rappeler en même temps, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Parce que Jacques, c'est la souris. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai rétréci. Et bonsoir aux deux autres personnes qui sont venues nous rejoindre sur le jeu. Are you okay? Je.
step money like her in a room. Gotta let her out. Gotta save Flinderelli. Let me help you. Suck, suck. Oh, that's not like Ben fans. You ever meet a Ben? I'm Aqua. But tell me how you know about Ben. Us a friend, good friend. Après aussi que Ventus soit arrivé. And where is he now? Look of a friend, other friend. I see. Then, you must have just missed Terra. Can't understand why. It always fit perfectly before. Oh no, hear that? Gotta flurry. Flinderelli, gotta try that flipper. Come on, come on, flurry. No, 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 no. It's all right. Leave this to me. Jack, don't lose that key. Ah, d'accord, je dois protéger, c'est ça, pour pas que tu perdes la paix. De la magie. Ok. On est bon. On est bon, les mecs. Je sais pas pourquoi, mais on va essayer. Je vous le dis. Je pense qu'on va essayer. Ah, c'est pas fini en fait, c'est vrai. Non, mais là, là, là. Ah. Saloperie. Allez, je monte la fin. Ah, de plus près maintenant. Allez. Ah, c'est pas possible. Allez, vas-y. Allez. Voilà. Après Terre. Bon, on a réussi. Je crois que c'est le premier truc qu'on réussit du premier coup à faire ça. C'est la première fois qu'on réussit du premier coup. Les autres fois, on a tous échoué, au moins une fois. Ça avait bien changé sous Cendrillon. Là, on a réussi du premier coup. There's no one else, your grace. Come on, hurry, Jack. Oh putain, ses têtes. Oh mon dieu, ses têtes. Oh, would it be all right if I tried on the glass slipper? I met you at the palace. Unfortunately, you are not the young lady the prince is looking for. But I am a girl. I should at least be given a chance to try it on. Who are you? And what are you doing in my house? She's probably here to rob us. Mother, do something! That girl does not live here. I have only two daughters. I believe we're finished here, Your Grace. Regardless, she means no harm.
Here you are, my dear. Jack, on le fait direct, c'est pas elle à la base, mais bon, c'est pas grave. Your Grace, please wait. May I try it on? Voilà. Pay no attention to her. She's just an imaginative child. Madam, my orders were every maiden. You should let her go first. Thank you. I actually want to thank you for teaching Terra he needs to keep believing. Oh? What will I do? C'est exactement pareil. Please, don't worry. You see, I have the other slipper. Perfect fit. I must inform the prince immediately. You will come with me, of course. I'd be happy to. It's not fair. She's a scullery maid. Mother, are you just going to let them leave? C'est plus un boss à battre. Je crois qu'il n'arrive pas. Cinderella will be put in her place. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas si c'est un boss. Ici. What's that? Ah, bah si. What happened? Where is Cinderella? She was attacked by a creature, a monster boss. In the forest. Boss. A monster? C'est ma réponse. Allez, je peux toujours pas avoir de soin. Je suis toujours de la merde. Oui, bah non, autant continuer, autant de la merde jusqu'au bout. Alors, ça niveau 3, niveau 3, niveau 2, niveau 3, ok. Et niveau 1, donc pareil sur le jeu. Je peux pas mettre. Non. Ah là là, je vous jure. J'aime bien la musique quand même. Là, je trouve pas mal. Là. Pardon. Excusez-moi. This is what happens when you go against my wishes. Voilà comment mourir connement dans le jeu. Go. Bon, bah... Allons-y, hein. C'est parti, les amis. Neutraliser une nation, préparez-vous à parer avec... Carré, ok. Ah, c'est modeste. Laisse-toi faire. Ah, arrête. Mais non, mais arrête-toi. Un peu ça. Ça va pas servir, hein, je vois, mais c'est pas grave. J'ai pas croisé, j'ai pas croisé. Allez, va, va. Ah, ça va. Wow, 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 wow. On va se calmer, hein. J'ai trop attendu. bah, essayez. Et je me disais c'était trop facile. C'était trop facile.
la race, j'ai pas touché. Allez. C'est pas le même. Allez, mais vas-y, mais j'arrive pas à esquiver. Ah, il est chaud. Ah, il va être galère. Hein. J'allais dire, il y a toujours le... toujours un boss. N'importe quel personnage, il va tout le tête. C'est toujours dans les premiers boss. Mais comme je vous dis, la musique est vraiment pas mal. J'assurais le steak là pour l'avoir. Ah mais arrêtez, j'ai avant de tourner là, c'est bon. A pure heart filled with light? It's strange. The master taught me darkness needs to be destroyed. But how? If not with light? Oh, my dear, you're too young to know. Experience more things, and you'll find the answer. Just trust in your dreams. Voilà, on a fini. Donc, bien qui permet d'asséner des coups critiques plus facilement. Coup de minuit. Bon. Oublie un truc hein. C'est que le but aussi c'est d'avoir le tir machin truc vide chouette là, à fond donc faut pas oublier qu'on a le truc des mirages à faire aussi et oui malheureusement alors ouvrir menu chasse aux commandes et on va pouvoir faire numéro 2 pardon qui s'appelle Sanrion. Donc il faut avoir, il faut essayer d'avoir les deux. Donc on va essayer d'avoir My les deux. Turn.
Attends, 4. Et 4, et j'arrive là. Sinon, après, c'est celui-là là-haut. Voilà. Non, on va essayer un dé pour l'instant. On va voir. 6. Manque de bol. Je suis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, merde, on est dans la troisième. Bon, on va aller. On va aller par là. Nice. All right. C'est ceci. Regarde. There. Six. Ah ben il y en a deux. Ok. Non. On va attendre. Cinq. Un garce. Oh. Putain, elle a acheté. Ouais, ça j'ai fait tout le tour, hein, je m'en rappelle plus. Allez, Vim, dans ta gueule. Deux. Ah, oh, putain, mais j'ai pas de bol. Excusez-moi. J'ai vraiment pas de bol sur le coup là. Là, c'est la malchance. Là, c'est malchance pour le coup là. Oh, en plus, ça va prendre. Bien sûr, la case qui est juste après la mienne, hein, tant qu'à faire. Hein. Voilà, autant essayer à fond. C'est toutes les cases bonus, regarde. Merci. Excusez-moi, je suis jamais riche en faisant ça. Mais c'est pas de. Mais c'est pas possible. J'ai pas de cul. Je dis, j'en ai pas. Nice. C'est un tonnerre, un trapper sur le terrain. Elle a même attrapé son retard. Elle a même dépassé. Trois, mais c'est pas possible. Non.
de chance. Allez, pour ma gueule, ça. Capture de code. Voilà. Allez. Pas à faire. Voilà, bien fait. Dédé. Here goes. Sur le but, sur. That's the way. Faut améliorer ce qu'on a, hein. Et bien, laisse-moi tomber sur la case à côté. Allez, un petit 4. 5. Faut être zen. Faut rester zen. How nice. Ah, c'est pas juste, elle en a plus. J'ai l'avance encore sur elle. 9. Nice. Ça va pas, hein. Et là, je suis obligé de passer par là. That's the way. Non, la meilleure. C'est là. Un peu plus, on le fera monter plus. Toujours devant, elle a 500 points d'avance. Pardon, elle a 900 points d'avance. Je sais pas comment faire. Là, c'est jusqu'à 6000, mais mon gars, c'est très rapide. Hein. 10. That's the way. Elle est sûre, j'ai tombé encore dans le truc de machin. Oh, coup de chance. Oh, no. Et voilà. Mais au moins, pour ça, j'en fais tout le temps. Ah, j'ai vu le truc à Emma, j'ai fait un arrêt Kradak. Putain. Excusez-moi. Pour le prochain tour, tu vois. Étourdissement. Vous savez, ça a l'air quelque chose. Cinq. Yep. Bah oui, on va passer une carte commande. Une carte de menu. Nice. Oh. Deux fois que je fais un arrêt cardiaque, c'est génial. On va faire un autre. Faut qu'on m'explique ce que c'est l'étourdissement en fait. À quoi ça sert? Oh.
J'ai pas compris. Mais là-bas, c'est pire que le boulevard des Champs-Élysées au Monopoly. Hein. Bon, on va faire ça. C'est le seul. Ah, d'accord. Ouais. Here goes. Je suis trop corte. Hein. That's the way. Ah, ça m'a permis de monter un petit peu. 6, chouette. Nice. Non, moi je peux finir le tour. Je vais pas du tout l'utiliser. Parce que si elle continue comme ça, c'est elle qui va gagner. Elle va gagner. Et pas encore. How nice. Ah si. Je suis dans la maison. There. Ah. Oh putain. Alors là, je suis un peu le pas possible, les mecs. Je vous jure. Si ça, oh, oui. That's the way. Oh, non. Toujours pas. Ça veut pas. Oh non. Non, mais ça. Ça veut pas. Pourquoi, je sais pas. Non, c'est bon, pas du tout. C'est bon. J'en ai assez. C'est 3D. Here goes. Nice. Je fais augmenter ce que j'ai pu pour l'instant. J'ai rien gagné comme bonus, c'est pas grave. Piece of cake. Ah, il est parti heureusement, c'est beaucoup. C'était nul. Bon, c'était nul. Mais qu'est-ce que je fais, moi ? N'importe quoi. Oui, ben on connaît. Ah oui, il faut faire le custom service. Mirage à Rena, la reine des mirages. Alors à quoi j'aimerais plus dans la couleur du bleu. Voilà, avec. Ah, classe. Et du rouge, c'est bon. Voilà. Sexy. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal comme ça. Elle est vraiment pas mal. Alors, liste complète. What? Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais plus. Attends. Ah, zut, je... Ah, bon, c'est pas grave. Vite, on revient. Revenons à la bonne page de boss, de machin, de fin, de truc. C'était quoi? Mixage des commandes, voilà. Et on en est à commande de magie. Il me fallait le brasier obscur. Ah d'accord, bon, de toute façon, je suis très très loin. Donc on peut continuer l'aventure. Et on n'a pas pris clair, je sais pas quoi. Donc ce soit là. Je comprends rien. Moi. On n'a pas pris un truc éclair là. Ok. Éditer, alors ça va être là-dedans. Bon. Que dalle, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cours rapide, il est au maximum. On a Sommi. Et on a Sommi. Voilà, parce que les potions, j'en ai plus. Ça, je peux même faire que en effet.
Mode arène. Allez, d'accord. Entraînement en moins de 6 minutes. Faute de soins 5 fois autorisé. Pourquoi pas? J'ai aucun soin pour l'instant. Donc, je suis dans le caca. Ah, mais c'est bon, pourquoi pas? Ah, mais on m'a cassé maintenant. Ah, je encore. Bouge. Ah ben maman, j'ai intérêt à bien m'entraîner. C'est obligé parce que là... déjà un petit peu on m'a éliminé un ennemi, c'est parce que je suis con parce que j'ai pas mis la dernière clé. J'ai l'impression qu'avec cette équipe là, mes ennemis en fait, c'est des boss. Ouais, le temps que je combatte un ennemi, j'ai le temps de faire revenir ma zone de... Alors là, je suis dans l'ennemi. Vous savez, ben c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'il faut continuer. De toute façon, là, il n'y a pas photo, il faut faire l'aventure. Comme ça, ça nous entraîne. Et en même temps, voilà. Et il faut aller aussi avec la Keybait, quand même. La Keybait qui est la plus forte, bien sûr. Parce que. Non, parce que dalle, en fait, c'est tout. Parce que la Keybait, même que la Keybait doit être donnée, est encore plus pourrie que celle que t'avais avant. Alors c'est quoi éclair? Ah, ça active sur utiliser comment un type foot. Ok, d'accord. Il y a personne qui vient découvrir le jeu, tiens. Dès son arrivée dans le monde, Aqua retrouva Terra qui avait appris que Maître Xanot cherchait des cœurs purs remplis de lumière. Avant de partir, Terra lui dit qu'il avait appris ce que c'était le pouvoir des rêves. Aqua fut soulagé de voir que son ami avait trouvé un moyen de contenir les ténèbres. Les mauvaises ondes dégagées par une femme appelée Lady Tremaine menèrent Aqua jusqu'aux portes d'une villa. Aqua s'apprêta à rentrer pour affronter cette femme lorsqu'un bonne fée apparut et lui dit qu'il était dangereux de combattre les ténèbres avec la lumière. Aqua acceptait d'aider Jacques la souris à sa place. Il était dans la villa et tentait de libérer Sandry Young que Lady Tremaine avait enfermé dans le grenier. Entre temps, le grand-duc était arrivé au petit palais. Il cherchait la jeune fille avec laquelle le prince avait dansé la veille pendant le bal. Cette dernière s'était enfuie sans dire un mot et n'avait laissé qu'une pantoufle de verre derrière elle. Le grand-duc vit que la pantoufle n'allait à aucune des deux filles d'Edith Remen et s'apprêta à repartir. C'est alors que Cendrillon apparut, la pantoufle fut cassée avant qu'elle ne puisse l'essayer, mais elle sortit la deuxième au grand soulagement du grand-duc. Lady Tremaine fut furieuse, était furieuse, et sa négativité engendra un horrible incident qu'Aqua réussit à vaincre. Cendrillon put alors enfin rejoindre son prince. Voilà. Mini-jeu, voilà. Personnage, pas les derniers. On les a tous vus, je pense. Donc, on zappe. Si vous venez à peine de regarder, si vous commencez
se laisser par cette vidéo, je vous conseille d'aller voir les autres directement. C'est déjà expliqué, je parle beaucoup, donc c'est bon. Trésor. Ah, ouais, il en manque. Il coûterait des pas et il en manque. Voilà. Ah, l'information. Ok. Ah, il est pas. On le compte pas. Oui. Ah non, je l'ai collé déjà. Ok, j'ai compris, je l'ai collé. Lorsque votre niveau d'arène débloque de nouveaux combats, vous rajoutez une nouvelle commande sur le comptoir. Eh putain, ça arrive au niveau 21, je te jure. Franchement, c'est dur qu'on se débrouille très bien. Ah, ça veut dire que là on est bon et que personne ne peut nous vaincre. Allez, c'est parti, ben, on va faire directement le deuxième monde. Tout simplement. Allez, carte du monde. Donc, où est-ce que... Je vais accélérer. Niveau 2. Allez, on l'a fait. Niveau 3. Allez, c'est parti pour Blanche-Neige. D'accord, c'est vraiment... Dans cet ordre de mec, il fallait vraiment faire l'histoire. Hein. C'est vraiment Terra, Ventus et quoi. Je pense honnêtement, on avait quand même le choix, mais je pense que c'était un peu logique de faire dans cet endroit-là. Parce que là, ben, du coup, si vous connaissez déjà Blanche-Neige, on sait très bien qu'on est proche de la fin. Plus proche de la fin de l'histoire du film que du début, comme on l'a fait avec Terra. Ou Ventus, quand il est arrivé, c'était... oui, hé-ho, on rentre du boulot. What has happened here? Poor Snow White. She was just as sweet as could be. She sang us pretty songs and made us smile. At bedtime, she told wonderful stories about falling in love with the prince she'd met. And when we went to work, she gave us all a kiss. She was so full of kindness. Why, she made better folk of all. Ouais, en fait, dans la vraie histoire, il s'est passé qu'une journée, en fait. Hein. She must have been very loved. But how did this happen to her? A wicked queen was horribly jealous of our dear Snow White's beauty. So she used her evil magic to change into an old hag. Then she gave Snow White a poisoned apple. And by the time we got here, well, as can be, nothing we could do would wake her. Isn't there some way we can help her? Well, not unless somebody craves the vessel or braves the castle. No, you fools, we stay here doing nothing. But I'm not afeard of going, not even to that witch's lair. You'll never make it. Il y a pas mal de musique qui va avec. Ça rend un peu plus l'émotion réelle, je trouve. All right, then I'll go. You will? I will. Leave it to me. Well, all right, my dear. We'd be much obliged. La forêt des nains. Alors. Oui, ben, moi je sais. T'arrêtes pas des sous. Oh oui! Oh oui! Attends, alors, je peux en prendre combien? Deux. Allez. Ah, ça, c'est un truc qui fait du bien.
Du coup, déjà, ça va faire dégager la potion. Voilà. Et ouais, mon truc, c'est que j'en ai besoin de tous là. Parce que merci, j'en ai pas d'autres. Hein. La foudre, j'en ai qu'un. Machin. Donc, déjà, de soins, ok. Voilà, entre la chaumière, on va voir, c'est pas un coffre par hasard. Oh, il y a lui. Lui, il parle pas, ok. Ah, il y a un coffre. Et je crois que c'était la carte. J'aimais cette histoire. Son joli sourire me manque, ça oui. Oui. Je sais, je suis un piètre comédien. C'est horrible. Ils ne prendront jamais de faire du doublage. Alors, ils sont là. Là, tac. Je jure que c'est... que je me lèverai les mains tous les jours si elle revient. Dégueulasse. C'est béni aux pommes me manque. Mais mec, ça fait quelques heures. Appel. Ces soupes me manquent, ça calme une robe de foin. C'est grâce. Si tu vas dans le château, fais gaffe au monstre. Là, en fait, dans le dessin animé, en fait, j'ai pas lu. Pour ceux qui connaissent pas le dessin animé, en fait, quand Blanche-Neige il arrive dans la maison, donc dans la chaumière des scènes, ils étaient au travail, comme on l'a vu dans avec Ventus. C'était exactement ça. Mais entre le moment où elle arrive dans le chaumière et le moment où elle se fait empoisonner, il n'y a même pas une journée qui s'écoule. Donc c'est un peu bizarre quand ils réagissent, enfin pour moi pas quand ils réagissent comme ça, parce que dans le dessin animé en fait c'est les animaux qui viennent les chercher alors qu'ils sont pas encore arrivés sur le lieu de travail, qui les embarquent, qui les ramènent directement à la chaumière et ensuite qui poursuivent ensuite la sorcière. Si je me trompe pas, si je me trompe vous le dites dans le commentaire. Allez, j'ai pas la carte encore. Pas la carte, ok. Ah, j'ai bougé. Y'a personne encore? J'ai gagné ma vie quand même. Voilà, petit soin. J'ai vu qu'il y a un coffre là. Ah ouais, en fait, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Alors, c'est là. J'arrive pas à faire deux attaques enchaînées. Papa aussi, désolé.
Ah non, c'est là. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un coffre par là. Il y avait un coffre. Non, je veux ce coffre. Oh là là, mais ça l'a pris bien. Allez, là-bas le coffre. Là-bas, il y a un coffre. Oh, attends, il y a un ennemi. Ah oui, c'est pas grave. Allez, descends. Mais non, mais... C'est relou, allez. C'était où? Oh là là, mais c'est relou, ça. Bon, allez, on se passe. Ouais. Ah ben voilà. J'ai des ennemis. Yeah, oh, attaqué par l'arrière. Ah, continue. Allez.
Attends, reste loin. Reste loin de moi, toi. Ouais, ça t'attaque de loin, Jim. C'est pas possible ça. Ça s'appelle la malchance. Ah, je respire. Pardon. Voilà. Is something wrong? Le prince. It's different somehow. And I can't find the princess or hear her beautiful voice. Was it all a dream? Wait. You mean you know Snow White? Oh, yes. We met once. It was a song that drew us together. Has something happened to the princess? Yes, I'm afraid so. The wicked queen tricked her into eating a poisoned apple. I must go to her. Where is she? In the woods, guarded by 7 kind dwarves. I will find her. Perhaps there's a way I can help. Bon, est-ce que j'ai trouvé la carte? Alléluia. C'est carte, allez. Là, y a rien. Ah, notre coffre. Ça fait gaz, ok. Et la sauvegarde. Bon, allez, c'est parti, on va lâcher. Je suis niveau 4. C'est pas dérangeant, hein. Pardon. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'il faut surtout continuer comme ça. À bien, bien... à bien combattre. Et puis, basta. Ok, ouais, mais je passe... Je passe par où pour venir jusqu'en bas. Ah, c'est pas utilisé, hein, il va falloir. Force augmentée, eh ben, j'espère. Parce que la magie c'est bien, mais. Là, je peux pas sauter. Là, je peux pas grimper. Allez, voilà. Ok, donc là... Hein? Hein? Je voulais pas... Non. Non, 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 je voulais pas aller là. Je voulais pas la faire tout ça. Hein?
Ah, y a quoi là? Ah, oh, c'est bien méchant. Je peux la dégager, oui. Wow. Ok, donc c'est là. Voilà. Non, c'est pas là. C'est où? Ok. Bon, j'ai vu. Hop, le coffre. Vas-y, voilà. C'est chaud. Pris de risque là. Ah lui, les amis ressemblent moins à des sous-boss. Ah j'ai loupé la vie. Crotte. Y'a pas un truc là à faire. Passer de l'autre côté. Je sais pas. Peut-être plus tard. Là, il n'y a plus rien, bon, on peut se casser. Hé, pourquoi j'ai fait du coup? C'est pas là, c'est là. Ah, j'ai encore loupé. Attends. Non, mais c'est... Pas du tout, il faut aller. Eh, pour l'instant, je vous jure, j'ai une cul pas possible en ce moment. Là, vas-y, waouh. Il y a pas beaucoup, mais c'est pareil. Cristal chaudrien.
pourrait pas être chose. Les la carte, il est déjà niveau 6. Mais j'ai monté, j'ai confirmé. Bon, on avance. On presse. Bon, maintenant il faut aller en bas. Ok. Qu'il faut qu'on puisse grimper, ok. Et brasier, on ne l'a pas encore. Ouais, mais putain, pour l'avoir, ce sticker sur là-haut. Bon. Pas tout, hein, mais. On va continuer à avancer. Hein. Ça qui mène. Bon, ça peut pas être un corps normal, non. Trop demandé. Le coup de grâce qui sert complètement à rien. D'ailleurs, on a mis où les coups de grâce. Ah ouais, on en est loin. On en est très loin. À une 2 heures de jeu. Oh, c'est pas 2 heures au jeu, mais on avance. Allez, on continue. Prochaine salle. Something's not right. Oh putain, ouais. D'où le titre de mon LSP aussi. C'est le retour du miroir. On va en chier. Je pense. Battez l'esprit du miroir magique. Miroir, mon beau miroir. Est-ce que je suis la plus belle là? Oui, Lily, c'est toi la plus belle. Merci, miroir. Pour l'instant, je dois te péter la gueule. Oh non, j'ai pas activé ça. C'est lequel? Oui.
dégueulasse. Non mais c'est bon, dégage, dégage. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, vas-y, je l'ai même pas touché. Allez. Là, je comprends les choses. Hein. Oh là là, mais il est relou, qu'est-ce qu'on va se dégager là. Travaille pas trop comme ça pour moi. Parce qu'il n'arrête pas de toucher, ta mère. Allez, là-bas. Putain, il me se casse. Non, mais lâche-moi! Je t'aime, c'est chiant! Allez, mais vas-y! Oh là là, mais c'est relou! C'est rené! Comme diraient certaines, c'est rené! C'est mieux cette preuve! Oh là là, j'aime pas ce boss. Ah mais là je peux. Là c'est même pas la peine. Des attaques en fait, hein. Je vais prendre la tête. J'ai le plus d'attaques possible et plus vaste. Hein. Ouais. Ça fait. Tiens, je vois pas. Wouah! Mais t'es sérieux, allez. Regarde.
Allez. Allez. Eh, pourquoi c'est passé ailleurs? Attendez. J'ai rien compris ce qui s'est passé sur Twitch. Ah non, dégage toi. Allez, dernière, c'est déjà mes coups. Non, ne te barre pas, saloperie. Waouh. Allez. Mais c'est pas possible. Allez. Pas obligé, alors ça va, tranquille. Yeah. Je la tue. Voilà, je l'ai eu. Je l'ai eu. Au bout du deuxième coup, mais je l'ai eu quand même. Pfff, c'était chaud. Ah la vache, mon prix. Princess! Ben voilà. Il suffit juste d'un baiser. That's so sweet. It's just like a miracle. Ah, souvenir. Ventus, why won't you wake up? You're awake! Ventus! Oh, it's a miracle! Terra! Master Ericus! Ventus is awake! Vous m'avez tous sauvé la vie.
Et je fais tous un gros bisou sur le front. Parce que vous êtes des neiges, je peux pas le faire sur la bouche. Et parce que vous êtes dégueulasse. Après, il y a des mines. Et que je préfère la bouche à fraise. C'est plus d'amour. Every waking is a new journey. Maybe eh ben, moi, si chaque réveil est une nouvelle aventure, mon avis, c'est la merde. Quand je me réveille, vive l'aventure. Mine de joyau. Excusez-moi, je vais peut-être faire du bruit. Vous excusez, les amis. Bon, alors ouvrir le menu, on va mettre déjà ça là, et du coup on va mettre le deuxième soin qui est ici. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Soin, c'est bon, je suis en train de diminuer, bon, après tout, excusez-moi, tout le reste c'est du blindage. Donc hop, on va attendre pour être quand même on va prendre celle-là, elle a 3 d'attaque. Après le but c'est normal, c'est d'augmenter la magie aussi en même temps, mais bon, elle a 3 d'attaque, donc on va augmenter un peu les attaques, hein. Sinon on va s'emmerder, hein. Rapport, allez c'est parti. Forêt des dames. Au fin fond de la forêt, Aqua vit cette naine qui pleurait à la disparition de Blanche-Neige. La reine était si jalouse d'elle qu'elle l'avait piégée et lui avait fait croquer dans une pomme empoisonnée. Aqua décida de se rendre dans le château de la reine pour trouver un moyen de sauver Blanche-Neige. Dans la cour, elle fit la connaissance d'un prince du royaume voisin. Il avait rencontré Blanche-Neige et ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Un jour, mon prince viendra. Si je la chante comme ça, vous croyez qu'il y a une princesse qui va venir devant moi? Comme ça, crac, un claquement de doigts. Lorsqu'Aqua lui raconta ce qui est arrivé à Blanche-Neige, il se précipita dans la forêt pour la retrouver. Quant à Aqua, elle s'enfonça dans le château et découvrit une salle avec un grand miroir. Mon beau miroir. La reine avait utilisé l'une de ses potions pour changer l'esprit du miroir magique en ancien. Il attira Aqua en son sein où ils s'affrontèrent. Aqua remporta le combat et l'esprit du miroir magique disparut dans l'obscurité. Sans autre piste à suivre, Aqua retourna dans la forêt où elle vit les sept nains et le prince au chevet de Blanche-Neige. Il se baissa pour lui donner un dernier baiser et dès que leurs lèvres se touchèrent, Blanche-Neige ouvrit les yeux. Les nains qui avaient perdu tout espoir furent fous de joie. Aqua savait ce qu'il ressentait. Une fois, Ven avait dormi pendant très longtemps et elle pensait qu'il ne se réveillerait jamais. Jamais elle ne pourrait oublier la joie qu'il avait envahie lorsqu'il avait enfin ouvert les yeux. Mais j'ai toujours pas appris à lire depuis une semaine. C'est un miracle, c'est un désastre. Ma lecture est un désastre. Personnage. Donc, je pense qu'on peut prendre le prince du coup, parce que tous les autres, on les a tous fait. Peut-être pas la sorcière. Je sais plus. Le prince, c'est sûr, on l'avait jamais vu encore. C'est le prince du royaume voisin. Il a rencontré Blanche-Neige en suivant le son de sa voix jusqu'au château. Et je vous refais pas la chanson. Incapable d'oublier, il est retourné au château et a appris que Blanche-Neige avait croqué dans une pomme empoisonnée, ce qui l'avait fait sombrer dans un profond sommeil. Il l'a réveillé avec un baiser d'amour. 1937, avec Blanche-Neige et sept nains, c'était le tout premier film d'animation long métrage de Walt Disney même. La reine s'était changée en sorcière après avoir bu une potion. Folle de jalousie face à la beauté de Blanche-Neige, elle l'a trompée et lui a fait croquer dans une pomme empoisonnée. Elle a réussi à plonger Blanche-Neige dans un profond sommeil, mais les sept nains l'ont pourchassée et on n'a plus jamais revu depuis.
comme ma façon de le dire, je l'ai jamais revu non plus. Plutôt l'apprentissage à dire. Un mauvais sticker, coller les stickers. Hop là. Ah, elle est magnifique. Mais moi je kiffe à quoi, je la trouve très très jolie. Je trouve très jolie comme personnage. Il y avait des très beaux personnages féminins dans les Kingdom Hearts et je trouve qu'Aqua fait partie des beaux personnages de Kingdom Hearts. Allez! Ah! C'est quoi ça? Ah! D'accord, donc il n'y a pas. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Oui. Allez, donc du coup, c'est ça, on va par là. Tac. Voilà, mode arène. J'ai toujours pas fini le premier truc. Et voilà. Et maintenant on y va. Excusez-moi. Est-ce qu'on va y arriver à passer au moins le premier round? Ah mais non, il n'est pas ici. Tant pis. C'est trop chiant. C'est pas grave. Il manque encore un entraînement de la vie, je pense. Aussi que je le fais, comme je le dis souvent, hein. Je le dis, je le fais en mode critique, donc le jeu, donc c'est pour ça que c'est pas facile non plus. Mais là c'est vrai que quand même Blanche-Neige, et on a fini Cendrillon et Blanche-Neige, donc on a fait quand même en même pas 2h, déjà 2h20 de jeu, on a fait ça en quasiment 1h30 quoi de live ce soir, je parle. Allez, le domaine enchanté, c'est parti pour La Belle au Dormant. J'avais un trou de mémoire sur le titre. J'allais dire Aurore, ce qui a été vrai, hein. Mais j'ai oublié le titre du film. What's that? Qui était La Belle au Dormant. Ah, bonjour. Ouais, ma jambe. I think I'd better go take a look inside. Mais est-ce qu'on peut pas aller par là? Non, on peut rien. Ah, il y a quoi? Non, mais. Donc là. D'accord. Ok. Bon, on va au château. Je passe le temps. Bon. Ouais, rien. Freeze.
côté. Alors, où est-ce qu'on va? Non, là, y'a rien. There's no way Tara would hurt somebody like that. You don't believe me? That's unfortunate, for he agreed so easily. You did? Fen, don't be fooled! Aqua! Tara would never do that. You know that as well as I do. Yeah. Ah, the truth can be most cruel, even amongst the closest of friends. After all, one never knows the secrets of another's heart. I'm sure you'll agree, Ventus. Aqua. The master sent me. Huh? Then, let's go home. But Tara... Tara's not ready to leave yet. Sorry, Aqua. But... I can't go with you. What? It's just... I have to find him before it's too late. Ven! I see you too wield a Keyblade. How do you know about the Keyblade? A source of power. A key that opens the hearts of men, of entire worlds, and allows one to obtain anything and everything. Such a power I find most fascinating. Le pouvoir qu'elle combat. So, Tara... He really? Yes. Now, my dear, would you like to assist me as well? Never! I see. Xehanort was right. You are a most stubborn girl. Master Xehanort, how do you... It seems you need time to consider my offer. Fortunately, I have the perfect place. What? Ah, j'ai attaqué le donjon, c'est ça. Tous les coups. Avec le prince. Je vous jure, nous on fait ça en fait, on descend d'un étage comme ça, on se fait la cheville, les jambes et tout. T'es le prince. My name is Aqua. J'aime pas, j'aime vraiment pas le caractère et le design des princes des années 30 voire 50. C'est bizarre. To prevent me from breaking her evil curse, I was to meet the most beautiful girl at a cottage in the glen. But now my true love lies in an eternal slumber, and only I can break the spell. You must really love her. Is what you said true? Yes, Maleficent told me. Oh, Prince Philip, it's you! Now, Philip, the road to true love may be barred by many more dangers, which you alone will have to face. I'm going with you. There's something I need to know, and Maleficent has the answer. Yes, of course, dear. Now come along. We must hurry to Aurora. Hey. Oh, mais une sauvegarde, tiens. Comme ça faisait longtemps. Carte, alors, où est-ce qu'on en est? Soit un niveau 1, soit un niveau 3. Est-ce que j'ai vu? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai un autre soin. Donc, on va prendre celui-là. Comme ça, on a fait tous les deux augmenter.
Alors ça, je peux avoir un soin de plus. Moi qui m'en propose un déjà. Non. Donc on va faire comme ça. Alors. C'est parti, les équipes. J'ai envie de dire. Ouais, non, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont passé, mais qu'est-ce qu'ils font mal, ces deux? Enfin, et la vie jamais. Hein. Hey. Oh, c'est trop petit ici. N'importe quoi. Parce que je fais de la merde. Faut pas changer. Hein. Corbeau de magnifique. Ah, ah, je dois le protéger, non, comme ça. À tous les coups, ça va être ça. Non, même pas. Qui sont mignons avec leur petite hache? Mais qu'est-ce qu'ils vont me faire mal? Ah, mais j'ai pas du tout, c'est chiant. Ouais, vas-y, mais fais une esquive. Non, mais va... Ouais, je me prends vite. Ah, non, ça commence bien. En plus, j'ai presque une gâteau au bout de 3 coups, tu sais. Là, il fait presque, je suis une badass. En fait, je suis une grosse merde. Ah non, j'ai loupé mon truc, moi j'attendais. J'attendais le coup final, c'est ça, j'ai loupé, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, ça, j'ai été touché pendant l'attaque. Ah les bâtards. Ah non, mais j'ai cliqué sur quoi? Mais quel abruti! Oh non, mais alors. Mais quelle nouille, mais je vous jure, mais quelle nouille que je suis. Ça doit être interdit d'être aussi nul que ça. Parce que c'est à ce niveau de nouillerie, on devrait plus jouer. Allez, hop, on passe à la scène, c'est bon.
Et c'est qu'il soit continué comme une abruti. Abruti que je suis. Aïe aïe aïe. Mais vas-y, mais... Yeah, attends, c'est les ennemis les plus petits au monde, tu sais. Oh là là. J'ai pas fait une erreur cette fois-ci. Mais vas-y. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est relou. C'est relou, c'est chiant. Ah, je vous jure, je crois que c'est vraiment. Oh là là. C'est pas ça, je me dis tout de suite, déjà tu perds la moitié de ta vie, tu sais. Voilà, je suis même pas contre elle. Voilà, j'ai assez. J'ai laissé. C'était chaud. Mais j'ai assez. Je suis content. Ouais. Alors du coup j'aurais eu moi. Ah mais je peux aller n'importe où. Oh non, pourquoi ça. Attends. Je viens de là. Donc si je veux aller par là. Oh c'est cool ça. Attends, qu'est-ce qu'on a au fond? D'accord, on a une pièce au fond. Ok, on va aller par là. Je sais pas. Hein. Je sais pas où il faut aller. Hein. Ok, bah c'est où je viens. Non. Ok, bon là on en vient de là, donc ça sert à rien. Allez. Je passe par là. C'est un ennemi. Donjon. Ok. Bon là, on a envie. Ah, c'est un mur. Donjon aussi. Ok. Bon, mon avis, c'était dans l'eau. Il fallait aller. Je pense. Mais bon, il est mieux tout voir. Donjon, bon c'est pareil, allez. Ah il casse sa roulade. Trône de maléfique. Elle vient de là. Cette équipe est prince Philippe, ouvrez les portes et fuyez. Pauvre. Faux.
Donc on me dit comment il a eu le bouclier et l'épée. Hein. Parce que c'est expliqué dans les séries, mais c'est expliqué dans le jeu. Tout à fait normal. Ah, mais c'est pas possible. Allez. Mais non! C'est pas du jeu. Ah, excuse-moi. Elle est balèze ou quoi? Qu'est-ce qu'elle est conne aussi ou quoi? Pardon. Mais vas-y monte. Oh putain. Qu'est-ce que c'est relou. Allez, bon, ouais. Il va se taper dans le mur. Allez! Ça devrait encore descendre encore plus vite la prochaine fois. Ah ok, d'accord, en fait c'était vraiment pour moi, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, elle était devenue, je savais que... Elle... Tu vas remonter, oui. Elle savait qu'elle allait retomber plusieurs fois, donc il fallait la marche pied. Voilà, on va bien qu'on finisse ça, hein. Là, on a marre. Ok, là-bas, bien mal là-bas, comme on dit. Alors après. Yeah!
Allez, voilà. Ok, il faut grimper. Il faut grimper où là? Merci de te suicider pour nous. Ah, c'est là. Mais je fais ça aussi. Mais non, mais je fais ça tous les matins. Hein. Je fais la même chose qu'à quoi tous les matins quand je me lève. Et je rêve. Énorme. Quelle nouille, je te jure. Ah, oh, les zéros absolus. Tiens. D'accord. Mais il saute. Voilà. Ah, c'est... Ah. Super saut. Waouh, cool. J'ai obtenu super saut. Alors. Je te commande déjà le saut. Super saut. Là, il n'y a rien. Et là, déferlement vengeur. Ok. Le bisou carré peut avoir été projeté, d'accord. Liste complète. Zéro absolu. C'est quoi les zéros absolus? Entourez-vous de glace et foncez sur les cibles à plusieurs reprises. Ok, bon, bah, je le ferai quand j'aurai le maximum. Je suis content de voir que tu fais de la merde. Continue. Plus de sauvegarde. Oh. On va être obligé d'attendre. Pourquoi c'est bon? Mais va te faire. Ouais. Tac, non, c'est la liste complète. Donc c'est bon, j'ai 2 sur 3, c'est bon. Mixage, tac, comme ça je peux faire. Un soin avec un soin pour faire un soin plus. Attends, c'est quoi que c'est avec vous? Putain, moi, tu m'as donné la fusion. Ah, c'est bien ça. Soin plus, voilà, comme ça. Booster fait le combo. Comme ça, j'ai dit ça. Tac, tac. On va faire tac, tac. 1, 2, 3. Tac. Hop, hop. Et là. Un petit soin plus. Voilà, à pas piquer d'un tome, bien sûr. Et le rapport après. Allez. J'attends un tout petit peu au moins que tout se remette en place, mais bon, au moins ça devrait aller. Y'en a marre, sur le combo, je fais que deux coups et le troisième, je ne fais pas. On va à l'extérieur de ce château abandonné. Château maudit plutôt même.
Ah, une nouvelle contrée. Donc ça, c'est pour le rappel, c'est ce qu'on voit dès le début. Dès qu'on arrive avec Terra, on arrive ici et on voyait un truc noir, machin, qui bloquait le passage. Donc ça menait à la tanière de, on va dire ça comme ça, un petit peu à la tanière de Maléfique. J'essaie de me concentrer sur le jeu et le vrai, c'est pas du tout facile. C'est pas grave. Ouais, et encore. Ah, oh, une sauvegarde. Oh, ça sent pas bon. Ah d'accord, c'est ça le meilleur soin. Wow. Moins Terra ou Ventus Supercalibur quand il sautait le super saut, il sautait haut. Là c'est moi, j'ai l'impression que c'est moi qui saute dans un kata. C'est vrai qu'on a l'impression que je sens beaucoup de vannes, c'est vrai. J'essaie de sortir un peu de vannes. Mais je dénigre pas le personnage, je dois bien le préciser. Je kiffe vraiment à quoi. Donc, et je trouve que c'est dommage que c'est par rapport au saut que voilà, c'est. Elle saute pas plus haut que moi. Hein. Alors que les autres faisaient du looping quasiment, tu sais. The forest of thorns shall be your tomb, wound round the castle in a bower of doom! Voilà, c'est rien de surprenant, c'est comme dans le dessin animé. Hein. Maleficent, what did Master Xehanort tell you? Such a pity, child, that you don't have Terra's gift for obedience. Nor can you see how easy it was for him. Terra would never do anything to help you. Quite the contrary. He fully embraced the darkness within himself. Stop lying! See for yourself all the powers of hell! Faites équipe avec le prince et battez Maléfique. C'est quand même pas mal, même si c'est pas la meilleure attaque à la difficulté. Ah, comment t'en fais, j'avais une partie de sa vie. Et comme elle vient d'enlever une partie de la mienne. Comme elle aime me niquer la race. Du coup elle m'a battu, hein. Mine de rien. Pas se le cacher. Hein.
bonhomme, vas-y. Oh là là, non, ce boss, ça va être dur. C'est bon. Là, on devrait pouvoir l'avoir. Voilà. Ça n'est pas la caméra, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Après, tempête de jeu. Ok. Donc, je vais me dire, normalement, je vais pouvoir faire attaque brasier la faute. Et voilà, on a. Thank you, maléfique. No! All together, now sword of truth fly swift and sure that evil die and good endure. Voilà, en fait, c'est avec les croisés arrivent pour pouvoir battre maléfique, tout simplement. It's the power of true love that defeated you. I will not be defeated by something as insignificant as love. You don't even know the first thing about it. You're too clouded by darkness to see that there's something greater. Et voilà, et encore un autre presque qui fait un gros baiser à la princesse qui se réveille. But you'll never defeat a heart filled with light. Perhaps. But remember one thing, as long as there is light, there will be darkness.
And in time, many more will be drawn to it. And they will all belong to me! Tara, you better stay strong for me. Donc on a fini, on a resté là, les astres féeriques, la Kibale, rapport de Xehanort numéro 6. D'accord, c'est vrai qu'elle, elle va directement au jardin radieux. Elle va pas au Terre Funeste. Enfin, il me semble. Et elle y va pas. Enfin, je sais plus. Alors. Jeu de commande. Alors, foudre. N'importe quoi. Ah, brasier. Alors là, par contre, ça... On va le mettre ici, et ce qui nous fait que du coup, lui, il va dégager, parce qu'on en a plus besoin. Tac. Tac. Voilà, il descendra, comme ça, au moins. On va mettre un brasier là, un brasier glacé pour, ok, c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Là on est bon, objet. Stock. Équipé. Ouais, je sais pas, en fait elle est bonne en magie, machine, n'importe quoi. Le problème c'est que ça me fait peur si je descends, je sais pas, faut tester, de toute façon, j'ai envie de dire, il faut tout essayer, donc, tempête de feu, voilà, c'est bon, rapport. Terra ne ferait jamais ça. À quoi suivit l'écho de la voix de Vent et se retrouva face à un maléfique. La méchante sorcière lui avait dit que Terra avait volé le cœur de quelqu'un. Mais à quoi défendit Terra. Vent fut rassuré, mais dès qu'elle lui dit de rentrer, il s'enfuit. À quoi était sur le point d'affronter maléfique, mais celle-ci lui tendit un piège et elle se retrouva emprisonnée dans le donjon où elle rencontra le prince Philippe. Il voulait sauver son bien-aimé, la princesse Aurore, qui était plongée dans un sommeil éternel depuis que maléfique lui avait jeté un sort. Ensemble, Aqua et Philippe s'enfuirent du château. Les folles de rage, Maléfique se changea en dragon et les attaqua. Ce fut un rude combat, mais les trois bonnes fées jetèrent un sort à l'épée de Philippe qui frappa le dragon en plein cœur. Dans un cri d'agonie, Maléfique disparut. Dans la chambre d'Aurore, Philippe s'approcha de son chevet. Il se pencha et donna un doux baiser. C'était un doux baiser. Lentement, la princesse ouvrit les yeux. Ce vrai baiser d'amour avait rompu le charme. Dehors, Aqua retrouva Maléfique qui refusa de reconnaître le pouvoir de l'amour. Elle affirma que tant qu'il serait possible d'attirer des gens comme Terra vers les ténèbres, Dot se mettrait à son service. Puis elle disparut. Ah, peut-être qu'elle est devant... Machine. Maléfique. Il existe trois différents types de Keyblade. Les Keyblades de lumière que nous manions, les Keyblades de ténèbres et les Keyblades de cœur. Ce qui distingue les deux premiers types est leur origine. Les Keyblades des Ténèbres se trouvent dans le Royaume des Ténèbres et sont l'équivalent des Keyblades que nous utilisons dans le Royaume de la Lumière. Le troisième type de Keyblade, celui du cœur, est apparu après la fin de la guerre des Keyblades. Lorsque le monde a été réorganisé sans cette Keyblade, Kingdom Hearts ne pourra jamais être atteint. Ce n'est qu'en réunissant sept cœurs de lumière pure, des cœurs totalement dénués de ténèbres, que l'on pourra créer une Keyblade de cœur, la X-Blade. Je pense que ça va être ça. Afin d'ouvrir la porte Kingdom Hearts. Et comme je l'ai déjà dit, quiconque ouvrira cette porte dominera tous les mondes, ainsi que leurs habitants. Personnage. Le Reine Enchantée. Alors, non, Aurore, on l'a vu.
Oui, parce qu'on l'a fait déjà avec Terra et Ventus, il me semble. Mais le prince, on l'avait jamais vu, donc 1159, les mecs. C'est le prince enjoué et charmant d'un royaume voisin. Il a rencontré Prince Torrent à l'époque où il vit encore dans la forêt. Ouais, il vivait encore dans la forêt. Maléfique l'a emprisonné pour l'empêcher de retrouver Aurore, mais les trois bonnes fées sont venues à sa rescousse. Finalement, il battut Maléfique dans sa forme de dragon et a tiré Aurore de son sommeil grâce à un vrai baiser d'amour. C'est un dragon, parce qu'on l'a pas vu. Maléfique a utilisé l'espoir de ténèbres pour se changer en dragon. Les flammes vertes qu'elle crache aurait pu exterminer le prince Philippe à quoi, mais Philippe l'a terrassé grâce à son épée de vérité. C'est l'épée de la vérité. Ok. Ah, il a manqué 4, mais c'est pas mal. Album des stickers. Ok, collé. Oh mignon, une petite fleur. Oh, mise à feu. Jeu de commande. Liste complète. Mise à feu. Allez, bah du coup je vais le mettre ça en premier, je pense. J'ai fait n'importe quoi. Il faut le mettre en premier parce que comme ça on va. Bon, est-ce que je vais y arriver? Hein? Est-ce que oui ou merde, je vais y arriver cette fois-ci? Ah, parce que c'est bon. Parce que je sais qu'il y a un truc à avoir là-dedans avec Aqua, donc je ne baisserai pas les bras.
À arriver au Colisée de l'Olympe, je m'entraînerai à fond. Bon, on va continuer encore un petit peu quand même, parce que c'est que 2h, combien, 2h17 à peine qu'on joue. Bon, ça va, on a encore du temps. On a encore du temps. On a encore une petite trentaine de minutes à te casser, donc. On a largement le temps d'avancer encore. Quand même, on a bien avancé, on a fini 3 mondes. Franchement, c'est... Je sais pas, on attaque le 4ème. Donc, franchement, ça sort bien. Faut qu'on a, on a bien avancé, on a bien géré le stuff. Jardin. Radio. Pardon, excusez-moi. Je donne des coups à mon micro, c'est normal. Oh. Ah. Tiens. Excuse me. I'm terribly sorry to bother you, sir. Oh, what a well-mannered lass you are. I'd be pleased as punch to help you if I can. Oui, tant que c'est gratuit. I'm looking for a boy who's not from around here. Have you seen him? I think I know just who you're talking about. He scampered off toward yon castle in a right hurry. Thank you so much. Wow. Tara, c'est gratuit. I hope you're still there. C'est des pixels, ça. Ah, il y a un coffre là. Un coup de barre. Là, le château. Pas pareil. Ah, c'est bon. Ah oui, il fallait passer par là, d'accord. C'est vrai. Putain, mais déjà, en deux tours, là, noté mon deuxième, voilà, j'ai niqué ma vie. Ah, c'est pas normal, ça. En deux coups, ils m'ont niqué, déjà. Oh. Oh, c'est quoi, on va changer la keyblade, on va remettre l'autre parce que celle-là elle est pourrie. On va remettre l'autre parce que l'autre était plus voilà, tant pis, je perds un truc hein, mais au moins je gagne je perds un on m'a dit, mais je gagne un attaque donc. Ah mais en plus ils sont relous ceux-là, je les aime pas. Ah, je savais que ça n'avait pas changé. Fire.
Mais pas si. Ah mais c'est relou, mais que c'est relou, j'aime pas. Possible. 23h27 déjà, c'est tard. Ah non, on va prendre
scène-là parce que c'est pas possible. Tu peux pas continuer. Ah, c'est ça aussi. Ce passage ça aurait été après la bannière passée. Attends, il y a un coffre. Voilà. Oh. Il n'y a rien à faire là.
Ah, mais c'est parce que je t'ai pas mis... N'importe quoi. Ok, super saut. Pff, ouais, bon, il n'y a pas grand chose. Ouais, je vous jure, et pourtant j'y joue au jeu. Attends, faut les diminuer parce que là ils sont chiants. Allez, mais... C'est pas normal. Ah putain, je peux tout le monde taper, génial. Bah vas-y. Alors là, quand je me fais attaquer, je dois pas me faire toucher. C'est pas possible ça. C'est pas possible d'être aussi mauvais que ça. C'est clair, je suis bien arrivé, j'ai fait un bon parcours. Mais là, je fais que ta merde.
Respirer un peu. Oh, c'est une sauvegarde. Oh, je respire. Ah, je vous jure, mais là je pouvais plus là. quoi? Ah, vache. C'était chaud. Hein. Bon, de toute façon, la patate a s'arrêté. Hein. Ça fait quand même presque 2h50. No, run! Ah, c'est... Ah, d'accord. Eh, c'est vrai que j'avais oublié qu'elle était là, elle aussi. Ouais, là, si je me rappelle bien de l'histoire. There's no way I can fight like this. D'accord.
You gotta get that girl to someplace that's safe. Who are you? Why do you have a keyblade? I'll tell you later. Right now, we gotta stop these things. Mais quand je vous dis qu'une histoire avec Mickey serait pas mal. Scénario avec Mickey. Everything all right? Let's get him. Right. Ça aurait été classe. Cette équipe avait une mauvaise nuit, battez tous. Battez tous les naissants. Ouais, c'est Mickey. Hein. J'aime vraiment pas cela. J'aime pas les animaux en vol. Comme les animaux, on peut pas les attaquer de haut, je les aime pas. Allez. Coup de brûlant. Voilà, ça y est. Alléluia, ah, ici. Thank you. My name is Aqua. I train under Master Ericus. And I'm Mickey. I used to be Yen Sid's apprentice. I came back to him for some more training. I sense light within this girl. You think that's why they attacked her? Yep. I think you might be absolutely right. If you ask me, she must be somebody pretty extraordinary. Hey, on te connaît ça? Yes. I'm quite certain she's someone we're supposed to protect. Let's join forces. Oh no, not now. I'll be okay. See you real soon. Et oui, j'avais oublié qu'à quoi faisait équipe avec MJ. Venti, je me rappelais, parce que c'était un peu logique. Mais à quoi, je me rappelais pas du tout. Are these for me? I picked you some flowers. Thank you for saving me. Oh, they're lovely. You're so sweet. My name's Kairi. Voilà. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Aqua. Kairi, about that light. Kairi! Oh, Grandma! Wait, Kairi, just a minute. I just cast a magic spell on you. One day, when you're in trouble, the light within you will lead you to the light of another. Someone to keep you safe. Thanks! Et ça, vous le comprendrez plus tard. There you are. It's time to go. Okay. Oh. Bye. Hey, Grandma? Hmm? What is it? Could you tell me that story? Again, dear? Please. Very well, then. Long ago, people lived in peace
bathed in the warmth of light. Everyone loved the light. Then, people began to fight over it. They wanted to keep it like themselves, and darkness was born in their hearts. The darkness spread, swallowing the light in many people's hearts. It covered everything, and the world disappeared. But small fragments of light survived in the hearts of children. With these fragments of light, children rebuilt the lost world. It's the world we live in now. But the true light sleeps deep within the darkness. That's why the worlds are still scattered, divided from each other. But someday, a door in the innermost darkness. So listen, child. Even in the deepest darkness, there will always be a light to guide you. Believe in the light, and the darkness will never defeat you. Your heart will shine with its power and push the darkness away. Mm-hmm. Écoutez bien ce qui s'est dit. Écoutez bien, retenez bien parce que ça va peut-être vous servir dans quelques temps. Something tells me I didn't run into her by accident. First, it never ends. Non, lui, il vole en plus. Bon. Les amis. Sur ce, on va s'arrêter là. Pour ce soir. Donc, juste je regarde ça. Attends. Liste complète. Je fais de même roi, c'est... Enfin, plus on s'en fout. Coup de grâce, tu vois. Ouais, coup de violence. Donc après, il faut que je débloque juste débloque celui-là. Je sais pas comment en faire. Débloquer. Pas de terrain. Objet. Équipé. Ah, là, ça va être beaucoup mieux, je pense. Blindé, excellent. On est presque au niveau 12. On va s'en garder. Et puis moi, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà quand même 23h53. Donc, voilà. Bon, après, il faut quand même qu'on puisse se mettre en ligne sur notre chaîne YouTube. On a pas trop mal avancé quand même, mine de rien, en quasiment 3 heures de jeu. On a bien joué, on a bien avancé, je trouve. Bon, sur ce, les amis, je vous ai dit bonne nuit. J'espère que cette petite vidéo longue de 2h, presque 2h53 exactement, vous aura plu. Si vous voulez voir les autres épisodes du Let's Play, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page YouTube qui est juste... si vous regardez sur Twitch, juste en bas, bien sûr, avec marqué YouTube. Sinon, ben, n'hésitez pas à aller voir dans nos anciennes vidéos pour voir le début de ce Let's Play avec le personnage de Terra, parce que là, on est avec le personnage d'Aqua, donc on est au troisième personnage. Et on a quasiment fini le jeu bientôt, je pense. Je pense qu'en 3-4 parties encore, je pense qu'on aura fini. Sachant que je l'aurais fini complètement, parce que j'aurais fait les 3 personnages, donc j'aurais le chapitre final de Kinomers Bird by Sleep à faire, si je me trompe pas. Et puis si j'ai encore du temps, je tenterai de faire les boss cachés, les boss secrets, ou faire peut-être dans une autre live, je sais pas. Donc quant à moi, voilà, juste pour finir, je vous retrouverai demain soir à 21h pareil sur le live sur Twitch à 21h précise, on va peut-être un petit peu après, pour la suite des aventures d'Aqua au pays des mondes radieux. Et puis voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne nuit. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, pour voir nos anciennes vidéos, les liker, les commenter. C'est tout plaisir. Si vous les aimez, n'hésitez pas à lâcher le pouce de l'amour, comme on dit, et à cliquer sur la croix, sur la cloche, pour recevoir toutes les nouvelles notifications des nouvelles vidéos.
N'hésitez pas à venir nous voir sur notre page Facebook Mad City, sur notre groupe Facebook Game City, la passion des jeux vidéo. Enfin bref, vous le savez, tout est décrit déjà dans la description sous la vidéo de Twitch, si vous le regardez sur Twitch, bien sûr. Allez, sur ce, je vous dis bonne nuit, et à vous les studios. Tchuss.